Téléchargement du système. Initialisation en cours. Commencement du programme dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salut à tous, ici Tansy, et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, on va dire, un petit peu imprévue. Vous voyez, c'est un peu le bordel chez moi et tout, je fais vraiment vers 18h, un truc comme ça, vous en battez tous les couilles. C'est une vidéo, en plus, j'ai des trucs à vous dire, on est un peu en retard, cette vidéo, je vais faire en fin de semaine, du coup, je vais faire le montage dès ce soir et tout, bref. Inazuma Eleven Ghost Strikers 2013, ce jeu, j'en ai déjà fait une vidéo il y a bien longtemps, mais qui est une qualité médiocre. Alors là, je tiens à faire cette vidéo pour vous dire que maintenant, là oui, depuis l'année dernière, oh, pour faire des vidéos dessus en fait. Voilà. En fait, voilà pourquoi j'ai pas pu continuer à faire des vidéos j'ai pas pu faire des vidéos sur la Wii. 1. Parce qu'il y avait les Let's Play, Mario Galaxy, Mario Sonic Jeux Olympiques d'hiver sur la Wii U. Du coup, bah la Wii, je l'ai laissé un peu de côté. Après, il y a eu la PS4 Pro qui est arrivée. Et bah, du coup, je vous ai donné du contenu PS4 parce que, bah, on va dire que c'était un peu la hype à l'époque. Et bah, du coup, bah, maintenant, bah la Wii, elle était restée de côté. Or que ça a fait un bon bout de temps que maintenant j'avais le matos pour pouvoir faire des vidéos dessus. Il serait temps maintenant que je vous montre un peu ce que j'ai fait dans le vrai jeu, enfin voilà, avec du vrai gameplay, avec une vraie qualité sur Inazuma Eleven. Ouais, c'est ça. Ouais, go. Ghost Strikers. Oh, putain, j'ai eu un trou de mémoire là comme ça. Alors, c'est ton japonais, les gens. Je vous dis, c'est vraiment que du japonais. J'ai vraiment pris la dernière génération. C'est pas pour rien que j'ai fait ça. Parce que le tout premier Inazuma Eleven, vous en souvenez un peu. Voilà. Il n'y avait rien du tout. Il y a presque rien du tout. Du coup, ben voilà, c'est cette version là. Alors que vous avez les personnages d'Inazuma Eleven Go, Inazuma Eleven normal. Pour ceux qui connaissent, je vous conseille de rester sur cette vidéo parce que ça va vous faire kiffer. Ceux qui connaissent pas, regardez la vidéo. Mais bon, pour ceux qui connaissent pas, Inazuma Eleven, c'est un jeu de football. C'est du football. Regardez, voilà, j'ai créé mon équipe. Et dans cette équipe de football, ben certains joueurs sont à Fiji. Ben, il y a une série Inazuma Eleven Go, il y a aussi les jeux sur 3DS Inazuma Eleven. Ah, vous devrez un peu vous tilter. Et dans chaque personnage, eh ben, vous avez des stats. Voilà, les stats, tir, défense, je ne sais plus c'est quoi. Et surtout, ben, ce qui est plus kiffant, c'est ça. Alors là, oui, ça, quand je vous dis comme ça, ça veut rien dire. C'est super technique. Ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, ils savent c'est quoi. Super technique, ça sert à faire des trucs inédits en jeu de football. Je vous dois montrer plein de démonstrations dans la vidéo, vous verrez, ça sera plutôt kiffant. Mais bon, pour ceux qui connaissent pas... Regardez, c'est quand même beau, parce que juste pour dire que voilà, je peux faire maintenant des vidéos sur la Bondi, oui, c'est plutôt pas mal. Bon, je tiens pas à m'attarder sur le sujet. Mon équipe est plutôt bien. Ceux qui connaissent les joueurs, ils sont plutôt très bien. Je vous présente une équipe que j'ai créée moi-même, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et on va pas se fatiguer, pour ceux qui sont un peu intimes, on va mettre la bonne vieille Raymond normale. Pour ceux qui
qui connaissent que seulement les premiers du nom. Parce que franchement, je pense que ben, y en a pas beaucoup qui connaissent ces derniers. Juste ça, juste ça. Voilà. Alors en fait, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous présenter mes joueurs. Lui, c'est Axel Blaze, Victor Blad, Bash Lancer, Canon Evans, Arian Sherwin, Beta, Nathan Swift, Gabriel Garcia, Goldie Lemon, au purée, je vais vous montrer le nom. Isser, vous avez vu, Isser, que Isser. Que sinon, c'est Lucie, je sais plus quoi, mais si, Isser, Pella Isser. Et Mark Evans. Et pour ceux qui connaissent à peu près la série, les personnages que vous connaissez le plus, Mark Evans, Axel Blaze. Voilà. C'est les personnes que vous connaissez le plus. C'est les plus connus, on va dire. Axel Blaze, après, j'ai du Sharp, mais bon, j'ai pas voulu recruter dans l'équipe. Après, j'ai des remplaçants. J'ai changé de sujet là. Après, j'ai des remplaçants. Alors, vous connaissez, là, franchement, c'est un peu plus dur pour les reconnaître parce que c'est des personnages que j'aime que moi. Aiden Frost, Sharon Frost. Pour ceux qui connaissent la saison 2, vous connaissez à peu près ce que c'est. Bellatrix, Isabelle Trick. Xavier Foster. Voilà, c'est ça, Xavier Foster. Xené pour les intimes. Byron Love. Aphrodite pour les intimes aussi. Flora. Juste Flora. Vous n'allez pas. Voilà. Lille, ça sera coupé, hein. Vous en faites pas. Je vais vous montrer faire tout le match à A à Z. Il y a le montage qui est là. Voilà, c'est le montage. C'est tout. Quand je regarde les minutes que ça tourne, c'est un petit moment, je crois. Ouais. Bon, on va commencer ce match. Ouais, croyez-moi. Oh putain. Sur ce jeu, enfin, une bonne petite série, un truc qui est un peu dérivé de la série originale. Je suis très fan d'Inazuma Eleven, pour ceux qui me connaissent, ça fait déjà très bien. Cette série, je l'adore, les personnages sont exceptionnels. On va dire qu'ils sont tous différents, ils ont tous leur propre caractère. Quand tu prends un personnage, tu sais très bien qu'il est différent d'un autre. C'est les expressions, comment expliquer, dire, enfin avant j'avais les mots en plus. bref, c'est Inazuma Eleven, quoi. Football, j'aime beaucoup le football. Pas, je joue pour le football, comme ça, ce sport, je ne sais pas. Pas ça foutre, hein, très bien. YouTube. Mais ça me permet aussi d'avoir un autre univers du football déjà. Point positif. Tu te prends pour ça dans le jeu. Dans un FIFA, et ben c'est fini quoi. C'est... Attention, petit geste technique et tout le bordel. Je me prends un petit peu au sérieux et tout. Pendant ce jeu, tu joues, t'es tranquille. T'es avec un pote, t'es encore plus tranquille. Oh, tiens, je tiens à vous expliquer pourquoi on est en retard déjà. Ça, je suis sincèrement désolé, les gens. On est en retard pour cette semaine. Regarde, je peux vous sortir qu'une vidéo. La semaine prochaine, il n'y aura presque pas de vidéo. Je vais partir en Angleterre. Voilà l'une des raisons pourquoi ben, c'est en retard. La semaine prochaine, je suis en Angleterre. La semaine prochaine, Girl Gaming. Et en Espagne. La merde. Et du coup, ben, Lily, il est tout seul. Lui, il a sa petite chaîne perso, il s'en occupe pas plus. Il n'a rien foutu. Il n'a pas aidé sur God Gamer. Log, j'ai sa clé pour la PS4, du coup, ben, elle va plus sortir ses vidéos de la PS4. En gros, ben, elle a fait une vidéo, mais ben, elle est pas là. Peut pas. Donc, vous la verrez sûrement la semaine prochaine. Minex, il a plus internet. Du coup, elle peut pas sortir de vidéo. Et moi, je vous ai dit tout à l'heure, je bosse. Alors, je bosse sur quoi? Pour ceux qui connaissent pas, je bosse sur du développement web en ce moment, je suis sur ça. Pour une entreprise que je ne dirai pas le nom pour le moment. Je pense même pas que je vais le dire un jour. Je pense que vous en foutez un peu. Parce qu'ils m'ont fait un petit test. Ils m'ont dit alors si tu sais bien développer, ben, montre-nous. Ils m'ont pas dit comme ça, mais en gros c'est ça. Alors, en gros, je dois leur donner un petit développement. Alors au départ, ils m'ont dit un petit jeu pour ces sharks. Pourquoi pas. Ouais, le C-Sharp, c'est ma première langue que j'ai appris. Alors voilà, c'est pour les connaisseurs d'un peu de langage. Alors le C-Sharp, c'est un langage de développement logiciel, particulièrement logiciel, à dire, c'est plus sur rayon Windows. J'essaie de prendre des vocabulaires que vous connaissez même. Et grâce au C-Sharp, on peut former des logiciels, on peut mettre des codes, on peut faire des variables, on peut faire à peu près tout avec le C-Sharp, donner des calculs et tout patata, par rapport au Windows que vous avez. Voilà.
Après C Sharp, il n'y a pas que C Sharp, aussi le C++, c'est une langue C en fait. Et moi je travaille sur du C Sharp, grâce à C Sharp je peux faire un jeu. Et le jeu on peut le faire plus facilement là, sur Unity 3D. Revenons un peu au jeu là que j'ai en train de faire. Du coup bah j'ai pas mis de but. C'est nul. Et voilà, on a mis ce but. Attends, je voulais pas rester comme ça pendant des heures les gens. Je voulais mettre ce but. Finalement, on l'a mis. Pour revenir, du coup là j'ai en train je travaille sur du langage HTML, PHP, et je fais même du CSS JavaScript. Oh! C'est tous les langages qui sont nécessaires pour former un site web de A à Z. Dynamique. Pour préciser, dynamique. Tous ces langages en franquin. Qu'est-ce qui se passe? Oula, qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai eu un petit noir. Ouais. J'espère que ça n'a pas fait bouger le montage. Athena Asalto. Voilà, ben voilà, c'est plutôt bien fait, franchement, là, c'est de la haute qualité, c'est plutôt bien fait. Je suis plutôt satisfait. Tu veux dire d'autre? Elle a du mal avec le montage. Du coup, c'est un peu plus galère, du coup, c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps, elle a tombé sur Girl aussi. C'est pour ça qu'on est un peu en retard, un peu très en retard. Bon, cette semaine c'est vraiment la merde, voilà, vous comprenez, c'est vraiment la merde. Live, tout comme c'est live, vidéo. Désolé les gens, j'ai pu faire une vidéo tout à l'heure. Normalement c'est 2 vidéos par semaine, là, c'est tourné à aucun. Pour passage aussi, bah, je cherche une vidéo, voilà, et je cherche aussi bah, des rédacteurs pour le site web. Jamais, pour les gens qui sont intéressés. C'est un peu... Voilà. Pour avoir votre place. Pour être pas mal de nous aider bah, dans nos projets. Sachant que vous nous aidez déjà beaucoup. En étant abonné et en regardant nos vidéos. Bon. Le monde. J'étais content de faire cette petite vidéo imprévue avec tout le monde. Bon, ok, c'était un peu... C'était pas... Il n'y avait pas d'humour. Il n'y avait rien d'exceptionnel pour cette vidéo. Enfin, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, quoi. Ben... Je suis désolé pour le retard. On va pas dire que c'est des imprévus, on va dire que c'est des. Ben. Oh, on n'a pas fait les choses comme il faut, quoi. On n'a pas fait les choses correctement. Du coup, ben, il n'y a plus de vidéo cette semaine. Désolé. Bon, sur ce, c'était Tonsi. C'était vraiment cool de faire cette vidéo avec vous. On a un peu papoté, on a un peu dit tout et n'importe quoi. J'ai même pas parlé de Dinazoma Eleven Ghost Striker, c'est un truc de fou. Du coup, c'était une vidéo un peu. Une vidéo qui sert à rien. Voilà, faut le dire, c'est une vidéo qui sert à rien. Voilà, c'est tout. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Si c'est pas le cas, mettez un pouce rouge. Mais bon, soyez gentils quand même, s'il vous plaît. Si vous voulez encore voir plus de contenu, mettez. Cliquez sur le bouton abonné, ça fera que plaisir, ou la petite cloche, maintenant c'est nouveau. C'est vous qui voyez, si vous voulez rejoindre la famille ou pas, c'est vous qui voyez. Et sur ce, c'était Tonsi, et on se dit tous rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, bye! C'est nouveau ça.